le plus contre, finalement, c'est le plus fort qui va gagner. L'aïkido se propose d'avoir un autre paradigme qui va être, si on est poussé, tiré, on va utiliser cette traction pour déséquilibrer. D'accord ? Donc ça, quand on le pratique, on le sent très très bien. Quand on le devienne du sabre à la base, les techniques ancestrales, anciennes, sur lesquelles l'aïkido sont basées, enseigne en fait à un guerrier, un samouraï, à pouvoir être efficace quand il faut. Cet entraînement de base sous forme de kata est très spécifique à l'école de Shinta. C'est une école qui vient du sabre.